concerne bon, les qualités de pilotage, c'est un avion exceptionnel puisqu'il bénéficie donc des derniers raffinements en termes de calculateurs de commandes de vol et de gouverne, ce qui le rend donc très très agréable à piloter. Excited to see what the features are like inside. I know that it's a pretty special aircraft, so I'm looking forward to it. Moi, ça fait des années que je rêve de monter à bord de la 380, et j'ai dit tiens, c'est un peu grand pour un 747, la cabine supérieure, et je me suis rendu compte que c'était la 380. Donc ça a été la grosse joie. Tous les passagers sont à bord, les soutes sont maintenant vont bientôt se fermer, donc on va pouvoir fermer la porte-avions et partir. Je suis absolument contente pour essayer la 380. C'est vrai que c'est un avion un peu spécial parce que c'est le plus grand justement avion passager qui a jamais existé. Donc je suis très contente d'avoir la chance d'essayer pour le premier vol pour Montréal. Alors pour nous, ce qui change sur le 380, en termes de travail, l'ergonomie, le silence, l'organisation et la nouvelle technologie. C'est un avion qui paraît grand, qui est grand, mais ce sont des petites cabines. Donc ça fait une convivialité qu'on ne pensait pas trouver sur ce genre d'appareil. 538 passagers, incroyable. Ce qui était impressionnant, c'est au décollage, on avait l'impression d'aller lentement. Finalement, on va aussi vite au décollage que les autres appareils. The lights are so calming. It's just very relaxing. Je trouve ça vraiment très fun. Ce qui m'a impressionné en plus, c'est l'espace. Puisque contrairement aux autres avions, j'avais vraiment l'impression que dans la cabine, moi, j'étais en classe économique, mais dans la cabine, c'était vraiment large.